C'est donc du chef de l'État, élu par un collège électoral qui englobe le Parlement, mais qui le dépasse largement de manière à en faire le président de l'Union française en même temps que celui de la République, c'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. À lui, la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. À lui, la mission de nommer les ministres. Et d'abord, naturellement, le premier qui a la charge, lui, de diriger l'action, la politique et le travail du gouvernement. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, parce que c'est vis-à-vis de l'État tout entier que ceux-ci, comme celle-là, engagent les citoyens. À lui l'attribution de servir d'arbitre, d'abord normalement par le Conseil, et puis dans les cas de grande confusion, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa volonté et sa décision souveraine. À lui encore la tâche de présider les conseils du gouvernement de manière à y assurer la continuité au milieu dont une nation ne se passe pas. À lui enfin, si le péril extérieur devait une fois de plus peser sur la France, à lui le devoir d'être cette fois le garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France.